dis pas que c'est à cause de cette annonce. Ken, tu aurais dû au moins attendre que le temps passe. Oh, mais tu me connais. J'aime bien trop le faire quand il est chaud, tu sais. Bon, ne me dis pas que tu ne penses pas à ce à quoi je pense. Je ne pense pas à ce que tu es en train d'imaginer. Ok, ne te martèle pas dans la tête. Je vais penser pour nous deux. Ok, cool. Génial, on peut parler de tout ça après le boulot, ok? Pas de problème, à tout à l'heure. D'accord. Allô, Sophie? Tu n'es pas encore là. Écoute, tu dois à tout prix venir ici, à la maison. Tu dois voir ce que j'ai acheté pour nous deux. Tu seras tellement bluffé. Je veux dire, quand on mettra ces t-shirts et qu'on se pointera à la fête de l'entreprise, tout le monde au bureau sera bouche bée parce qu'on sera trop sexy et beau. Alors vite, dépêche-toi. Merci. Inutile que je vienne chez toi parce que là, je suis déjà en route pour le boulot. Non, Sophie, voyons, tu plaisantes, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux tout de même pas te changer au bureau. Viens à la maison te changer, madame. Je suis déjà habillée, Ken, et... Je ne comprends pas, que veux-tu dire par tu es déjà habillée? Veux-tu, s'il te plaît, me retrouver au bureau et qu'on arrête de se chamailler. Sophie? Elle m'a carrément raccroché au nez. Qu'est-ce qu'il lui prend? Où étais-tu passé? J'étais occupé par un truc ou deux, des broutilles. On s'attendait à vous voir depuis. Ah. Le meilleur couple. Ouais, est-ce que tu l'as vu ici aujourd'hui? Qui? Sophie? Sophie, ouais. Sophie m'a dit que vous veniez ici tous les deux. Alors comment se fait-il que tu me demandes où elle est? Elle m'a également dit la même chose. Je suis surpris qu'elle ne soit pas encore là. Ok, on se parle plus tard. Pourquoi n'est-elle pas encore là? Combien de temps est-ce qu'il faut pour arriver au bureau? Salut. Allons-y. Viens par là. Oh! Ken! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui te prend? Que fais-tu avec Donald? Sérieux, tu portes même un t-shirt avec son nom inscrit dessus? Sérieux? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi tu cries? Je n'arrive pas à comprendre. Mais quel droit oses-tu me sermonner et me contrôler comme si j'étais une gamine? Hein? Écoute, je suis une femme bien adulte et je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Je ne suis ni ta petite amie, ni ta femme. Je ne te dois rien du tout. Écoute, je suis dans ce jeu avec Donald. Donc, trouve-toi une autre femme et fais d'elle ta cavalière, ok? De plus, ce n'est qu'un jeu. C'est mieux de le rendre imprévisible. Écoute, je te comprends parfaitement. Mais je n'aime pas te voir avec lui. J'aime pas te voir avec Donald, je veux dire... Tu sais quoi? Je suis hors du jeu. Tu es hors du jeu? Tu es hors du jeu? Thank you.
Mon Dieu, c'est bon, ok? Viens là, ça va aller. Viens là, viens là. Viens t'asseoir. Assois-toi, Ken. Vas-y, assois-toi. Tu n'as pas à te saouler comme ça. Ça va aller. Hmm? Courage. Ça va aller. Ken, on ne peut pas se permettre de manquer cette croisière. Non, non. Pas la croisière. Je ne peux pas être à cette fête. Je ne veux absolument rien qui pourrait me rapprocher de quelque manière de Sophie. Et surtout maintenant, tu sais, que je l'ai vue avec un autre. Je ne peux pas, écoute. Si tu veux faire quelque chose pour m'aider, dis-moi juste où tu veux aller. Et on ira ensemble, mais pas à la croisière. C'est d'accord. Je suis sérieuse. Ah ouais? Viens aller. Ok. Lève-toi. Ok, allons-y. Allons-y. Pourquoi tu souris? N'ai-je pas le droit de sourire? Viens. Tu sais que j'ignorais que tu étais un vrai cordon bleu. Je t'assure, tu es vraiment délicieux. Merci. Mais de rien. Doit être un mec très chanceux. Oh mon Dieu, pas comme Sophie. Ok. Mmh.
Ken, s'il te plaît, je ne veux pas qu'on profite inutilement de cette situation. Je ne veux pas qu'on se blesse mutuellement à la fin. Je ne pense pas que ce sentiment soit réel. Ok. Ok, Ken. Allez, viens. Allons dans la chambre. Ouais, d'accord. Je vais prendre les plats. Ce repas était vraiment délicieux. Je vais le faire. D'accord. Seigneur. Quoi?
Allô? Qui est-ce? Sophie? Hey, Sophie? Sophie? Tu es rentré tôt. Salut, Annie. Je sais que tu n'as pas passé la nuit ici. D'où sors-tu? Je ne comprends pas. C'est quel genre de question, ça? Annie, réponds-moi. Avec quel homme as-tu passé la nuit? Lâche-moi tout de suite! Tu n'as aucun droit sur moi. En dernière nouvelle, Steven Bernard n'est pas prêt à se caser maintenant. Moi, Annie Williams. Je vais dire oui à n'importe quel prétendant sérieux. Pourquoi es-tu en colère? Est-ce que tu es malade? Pourquoi t'es en colère? C'est à moi que tu t'adresses. Je suis allée passer la nuit avec un homme, comme tu l'as dit. Comment oses-tu me parler ainsi? Non! Frappe-moi, Steven! Vas-y, boxe-moi! Frappe-moi! C'est tout ce que tu sais faire. Réponds-moi juste. Où as-tu passé la nuit? Tu n'as aucun droit sur moi. Tout comme je n'en ai aucun sur toi. Et jusqu'à ce que j'aie une bague sur ce doigt, n'ose plus jamais venir ici créer des scènes inutiles ou essayer de lever la main sur moi. Car si tu le fais,
je m'assurerai de déposer une plainte contre toi. Oh, ah bon? Je vois que tu es devenu sage. Salut, Sophie. Vraiment? Et pourquoi n'étais-je pas là-bas si elle n'était pas avec un homme? Eh bien, elle ne me l'a pas expliqué de cette façon. C'est d'accord. Je ferai cela. Allô, Sophie? Donald? Dois-je venir avec toi? D'accord, à plus. Hey. Hey. Qu'est-ce qu'on célèbre? Notre amour. Notre amour? Ouais. De quoi est-ce que tu parles? Sophie, de grâce, épouse-moi. Je t'en prie. Ken, lève-toi, je t'en prie. Je ne comprends pas. Comment peux-tu demander ma main? Comment? Que veux-tu dire par là? Pourquoi je ne peux pas demander ta main? Ce n'est pas normal que tu demandes ma main. Ken, je suis comme une sœur pour toi. Tu n'es pas ma sœur. Nous ne sommes aucunement liés par le sang.
Ok. Bien. Mais je suis comme ta sœur, Ken. Et c'est pour ça que je ne peux rien avoir d'intime avec toi. Dis-moi, à ton avis, pourquoi penses-tu que j'essaye de convaincre tout le monde au bureau qu'il n'y a rien entre toi et moi? Écoute, toi et moi avions grandi sous le même toit, avec les mêmes parents. Et je te vois comme mon frère. Ça ne fait pas de nous des frères. Des frères de sang. Ça ne nous empêche pas de nous marier. Tu l'as dit toi-même, tu essaies de prouver à tout le monde que nous ne sommes pas ensemble. Assurément, ils ont remarqué quelque chose, c'est pour ça qu'ils ne cessent de dire qu'on est amoureux l'un de l'autre. Nos parents ont dit plusieurs fois que... qu'un jour, on se marierait probablement. Sophie, dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu essaies de cacher cela? Écoute, Ken, je veux que tu saches que jamais, en aucun jour, je n'ai rêvé ni imaginé que tu sois mon mari. Sophie, c'est pour cette raison que tu as fait ce que tu as fait hier. Juste quelques heures avec lui et tu as complètement oublié ce que tu ressens pour moi. Que non, tu sais quoi, c'est bon. Tout est clair pour moi maintenant. Inutile de dire quoi que ce soit, je te comprends parfaitement. Merci d'avoir envoyé Annie sur mon chemin. Merci d'avoir gâché ma journée. Merci de m'avoir laissé gâcher toutes ces années avec toi. Ah! Chérie. Écoute, Donald, ce n'est pas le moment des blagues idiotes. Où es-tu? Y a-t-il un problème? Où es-tu? À la maison, bien sûr. Écoute, il y a un problème. Je veux que tu viennes avec moi au supermarché maintenant. Tout, de suite. Tu comprends? Que? Attends, que je vienne? Allô? Allô? Que je sorte de chez moi? Donald, ouvre cette porte! Donald! Ouvre cette porte maintenant! Peux-tu me dire ce qui se passe entre toi et Ken? Et il est déjà ici! Mais vas-tu me dire, putain, ce qui se passe entre... Mais tu vas me le dire! Ah oui! Allô? Allô?
C'est pas croyable. Non mais, pourquoi je me cache même de Ken, un homme comme moi? Je n'ai absolument pas peur de lui. Et d'ailleurs... Mais il est où, Ken? Où est-il? Ken. Quel est son putain de problème? Quel est exactement son problème? Écoute, c'est une longue histoire. Je t'expliquerai plus tard. Essaie juste de rester loin de lui aujourd'hui, tu as compris? Mince, pourquoi ce couteau? Mince. Hey, je suis venu te remercier spécialement d'avoir détruit une relation que j'ai passé ma vie entière à bâtir. Et aussi pour t'informer que tu t'es créé un ennemi. Et je ne te le pardonnerai jamais. C'est inutile que tu essaies de fuir, Donald. Car je serai près de toi comme la colle, pour que tu saches exactement ce que ça fait d'avoir un ennemi. Roche. T'as le culot de venir chez moi me blâmer pour ta relation ratée? Je crois que tu devras aller régler tes problèmes dans ta relation et d'arrêter de blâmer des gens pour ton incapacité à te contrôler. Tu vas la fermer? Tais-toi et cesse de défendre ta stupide personne. Je crois qu'il te manque une case là-haut, mec. Allez, dégage chez moi. Et tout de suite. On verra très bien à qui il manque une case très bientôt. Dégage de chez moi. Eh, dégage, mec. Salut, Donnell. Écoute, Sophia, j'en ai marre. Et je suis fatigué de cet imbroglio qui est entre toi et Ken. En quoi est-ce que ça me concerne même d'ailleurs? Comment elle passe son temps à me menacer et à raconter plein de choses sur moi? Il est parti de mon appartement ce matin en proférant des menaces indirectes comme d'habitude. Ah, Donnell, s'il te plaît. Non, Sophia, toi, s'il te plaît. Je veux que Ken arrête de souiller et dire toutes sortes de choses sur moi. Et il est déjà en train de me pousser à bout. Et si je réplique? Donnell, je suis désolée. Ah, bon sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi menaces-tu Donald? Pourquoi? Je suis celle-là qui t'a dit non et pas lui, ok? Écoute, Ken, tu devrais être plus mature et fais très attention de la manière dont tu exprimes ta colère. Et si ces conneries continuent, je n'hésiterai pas du tout à le dire à nos parents, oui. Écoute.
Nous sommes toujours amis. Toujours de la famille. Nous sommes toujours collègues. Mais ce à quoi je dis non, c'est être ta femme. Alors ressaisis-toi et cesse tout ce drame et trouve-toi une bonne épouse. Est-ce que tu comprends? Je te remercie. De rien. Et Alice? Ouais, ça va. Oh. Salut. Salut, Sophie. Salut, Annie. Oh. Bienvenue. Ah, merci. Oh, je vois que vous passez du bon temps. Vous vous détendez. Oh, ouais, avec ma puce. Ah, très bien. Je t'ai acheté des provisions, je sais que tu en as besoin. Oh, c'est très gentil de ta part, mais Annie l'a déjà fait. Le frigo est déjà rempli. Ah, ok. Je vais mettre ça à la cuisine. Non, tu n'as pas à le faire. Annie va le faire, s'il te plaît, oui. Tu peux le faire. Donnez-moi. Merci. Ouais. Elle est gentille. Ken. Hein? Tu lui permets déjà de passer la nuit chez toi? Ouais, est-ce que c'est un problème? Oui, mais... T'es encore debout? Oh, oui. Assois-toi, je t'apporte à boire. Oh, ne te dérange pas, je dois aller quelque part, donc à plus. Ok, bye. Amusez-vous bien. Ken, que se passe-t-il? Tu sembles très heureux. Tu as gagné à la loterie ou quoi? Elle a plus de valeur que la loterie, à mon avis. Elle? Ouais. Qui est-ce? Ton amie, Annie. Tu sais, elle a ce don si spécial de mettre sourire sur mon visage. Oh, waouh. Ouais. Je suis très heureuse pour toi, tu sais. Tu es sûre de ça? Ouais, je le suis. Écoute, j'ai tellement hâte de te voir tomber amoureux. Je prie qu'elle se fasse une place dans ton cœur. Amen. ouais, j'allais te dire... au sujet de mon agression sur Donald. Je suis vraiment désolé. Je sais que j'ai dépassé les bornes. J'ai vraiment merdé. Je n'aurais pas dû. Je m'en excuse. Non. C'est passé. Vraiment, j'ai oublié cela. Et aussi, Donald t'a pardonné. Donc, c'est du passé, ok? La part, j'ai tourné. Ken, alors dis-moi. Annie semble beaucoup t'aimer. Je ne sais pas trop, mais le temps nous le dira. Bébé. Sophie? Hey. Salut, Ken. Ken, tu sais que tu dois m'accompagner au marché pour acheter les condiments pour la soupe. Ouais, c'est vrai. Et si on allait tout de suite? Attends, tu vas au marché pour acheter des trucs? Oui. Je dois aussi aller au marché, donc Ken, ne te stresse pas. Je l'amène, je la déposerai tout de suite après, ok? À plus. Annie, tu sembles ne pas être dans ton assiette ce soir. Ai-je gâché tes plans avec Ken? Non, pas du tout. J'ai juste plein de choses dans la tête actuellement. Et quel sujet? Moi? Ken? Steven?
Sophie, vous tous, Sophie. J'aimerais comprendre pourquoi tu m'as poussée dans les bras de Ken. Oh, ça. Eh bien, au moins, j'ai clarifié les choses sur le fait qu'on ne sort pas ensemble. Et deuxièmement, Annie, Ken développe des sentiments pour toi. Et je pense que tu dois te laisser faire. S'il veut faire 100 kilomètres, je pense que tu dois en faire 1000 kilomètres avec lui. Quel que soit ce que tu décides de faire. Avec Steven ou Ken, ça ne regarde que toi. Mais je te suggère de réfléchir à tes options. Je ne comprends pas. Annie, Ken a des sentiments pour toi. Voyons, et je pense qu'il est grand temps pour toi de franchir le pas avec lui. Si tu comprends ce que je veux dire. Hmm? Ce n'est pas ce à quoi je pense, Sophie. Je veux juste être sûre de faire ce qui est bien. Ok. Si tu le dis, c'était juste un conseil. Hey, bébé, bienvenue chez toi. Comment vas-tu aujourd'hui? Tu sais quoi? Allons dans ma chambre, je vais te montrer un truc. Je vais te dire un truc vraiment très bien. Tu sais que tu m'as sévré de sexe depuis, Quel... Délivre-moi, chérie. Quel jardin mets-tu, Steve? Quoi? Comment peux-tu penser à coucher avec moi immédiatement pour mon retour du travail? Oh, mais voyons, bébé. Maintenant, je sais pour qui tu me prends, pas vrai? Une esclave sexuelle. Oh, mais allons, bébé. Pas étonnant que tu aies insisté pour avoir les clés de cette maison alors que tu ne vis même pas ici avec moi. Mais voyons, bébé. Tu sais que je t'aime. Tu es absolument tout pour moi. Tu es mon bébé d'amour. C'est un mensonge, c'est un mensonge. Tu ne m'aimes pas du tout et tu le sais. Tu ne m'aimes pas. Bien sûr, j'ai juste été embobinée par toutes tes paroles mielleuses. Et tu ne rates pas une occasion pour faire de moi ton esclave sexuel. Mais voyons, bébé. Steven. Quoi? Où n'avons-nous pas fait l'amour dans cette maison? Oui, partout, bébé. Que ce soit dans la chambre, allons, sur le canapé, à la cuisine. Ok, allons à la cuisine et faisons-le. J'en ai marre d'être une esclave sexuelle. Mais voyons, bébé, j'en ai marre d'être utilisée pour satisfaire des envies sexuelles. Et chaque fois que j'évoque le sujet du mariage, tu me dis que tu n'es pas intéressée par le mariage. Vas-tu arrêter? Pourquoi parles-tu de ça maintenant? Je t'ai dit qu'on ne peut pas continuer à parler de ce sujet tout le temps. Prenons le temps de décider et d'être sûr de ce que nous voulons vraiment. Hein? Amusons-nous juste pour le moment. La foire du bon temps. Juste un coup. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'on veut quand tu couches constamment avec moi? Ça fait déjà 6 ans de relation. Je suis fatiguée de satisfaire tes envies sexuelles. J'en ai plus qu'assez de ça. Ce n'est même pas comme si tu vas m'épouser. Mais voyons, bébé, s'il te plaît, couvre-toi et on le fait vite maintenant. S'il te plaît. Allô? Laisse-toi faire, d'accord? Salut. Laisse-toi faire. Attends, je te rejoins tout à l'heure. J'arrive chez toi tout de suite. J'arrive. Mais où est-ce que tu vas? Attends, Steven, une minute. Laisse-moi tranquille, j'en ai marre. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu vas? Putain. Steven, c'est quoi ça? Steve, qu'est-ce que mes valises font ici? Donc, cet homme est la raison de ton changement d'attitude envers moi. Oui,
Je t'ai suivi. Je t'ai vu. Tu couchais avec lui. Et tu me sers en retour. Eh oui, je t'ai suivi jusqu'à chez lui. Je vous ai vu. Tu sais quoi, Annie? Je ne peux pas vivre chez moi et coucher avec un autre homme. Le mieux pour toi, c'est de prendre tes affaires et d'aller rester chez lui. Va vivre avec lui. Et ne t'inquiète pas, je t'ai déjà aidé à faire tes valises. Va prendre du bon temps, ok? Allô, Kenny. Tu es chez moi? S'il te plaît, peux-tu venir à l'hôtel L'Excellence? Chambre 201. Ce n'est pas loin de chez moi. Je t'expliquerai mieux quand tu viendras. Tu vas venir? Un amour. Annie, n'est-ce pas avec Ken que tu disputais? Oui. Tu dois faire très attention à traiter avec ce mec. Pourquoi? Je veux dire, je ne suis pas à l'aise de voir Ken et toi ensemble, sachant très bien que Sophie est ton amie. Tracy, laisse tomber, hein. J'arrive, je vais me changer. Il sera là bientôt. Si tu le dis. Ouais. Oh, c'est lui. Allô? Ok, t'es dehors, sur le parking. Je te rejoins tout de suite. Je marcherai avec maman, désormais. Enfin. Oh, mais félicitations, ma puce. Ouais, tu peux le dire encore. Ok, je reviens tout de suite. Allô? Ken a demandé la main d'Annie. Je dis que Ken a demandé la main d'Annie. Elle a dit oui, bien sûr. Allô? Allô? Allô, Sophie? Devine quoi? Je viens de me fiancer. Ken a demandé ma main. Et au vu des choses, notre mariage traditionnel et religieux aura lieu dans 2 semaines. Il a dit qu'il veut que ce soit fait immédiatement. Je ne pense pas. Il dit que sa mère veut que ce soit fait immédiatement. Écoute, Sophia, je veux que tu informes toutes nos amies pour le mariage, ok? Je suis sérieuse. Une dernière chose. S'il te plaît, peux-tu venir à l'hôtel L'Excellence? Viens au lounge. On a beaucoup à se dire, ma puce. Je suis si heureuse. Merci. Oh, mon Dieu.
Tu veux me claquer la porte au nez? Je ne me souviens pas t'avoir donné rendez-vous. Mon cœur, écoute-moi. Ce n'est pas mon cœur, c'est Annie. Nous devons parler. On n'a rien à se dire. Je sais, mais au moins, écoute-moi maintenant. Non, Steven. C'est beaucoup trop risqué. Je deviens tendue. Si tu ne t'en vas pas, je serai obligée d'appeler la sécurité pour toi. Alors, va-t'en. Bien, tu as raison. Voici les clés de la maison. Je veux que tu reviennes à la maison. Je veux que nous recollons les morceaux là où on les a laissés. Ce que je voulais faire, c'était juste de savoir si tu étais en couple avec Ken. Je croyais que tu allais emménager chez lui, mais tu m'as prouvé le contraire. Écoute, je t'aime, Annie. Et je suis prêt à me caser. Je veux que tu reviennes, s'il te plaît. Quelques minutes. Je vais mettre un peu de maquillage sur mon visage. Ok. Comment vais-je gérer ça? Comment lui faire comprendre et accepter les événements récents? Peut-être devrais-je rentrer et tout lui expliquer. Oui, je prendrai du temps pour le voir et résoudre cela avec lui. Qu'on me voit ici avec toi, s'il te plaît. J'ai peur. Je ne peux vraiment pas être vue avec toi ici. Je suis sérieuse, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Souviens-toi que mon mariage, c'est demain. Steve, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. Ne t'en fais pas. Tout va bien se passer, crois-moi. Tout ira bien. Steve. Crois-moi. Tout va bien se passer. S'il te plaît, entre. As-tu pu la retrouver? Non, j'ai pas eu de chance. Elle ne décroche pas mes appels. J'espère vraiment qu'elle va bien. Écoute, Ken. Elle va bien. Ok? Tu n'as pas à t'inquiéter. Wow, attends. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Sophie? Ken, je veux pas gâcher l'ambiance. Ok? Annie est une adulte et elle peut prendre soin d'elle. Écoute, peut-être que c'est Dieu qui veut qu'on répare nos erreurs. Je sais très bien que j'ai eu tort dans le passé. J'ai caché mes sentiments pour toi. J'ai voulu prouver à tout le monde qu'on était bon ensemble. J'ai laissé mon ego rejeter ta proposition. Maintenant, j'ai ouvert les yeux. J'ai vraiment des sentiments pour toi. Je suis vraiment désolé, mais il est trop tard. Mon cœur appartient à Annie. Et ça, tu le sais.
Je dois aller chercher ma femme maintenant. Puis-je avoir au moins un baiser? Un baiser. Juste avant les vœux. Pour que je puisse au moins t'oublier. Désolé, donne-moi une minute. Allô? Ta future femme est dans une chambre d'hôtel avec son ex. Et ils prennent du bon temps ensemble. Quelle chambre? Quel ex? De quoi est-ce que vous parlez? Ne réagis pas, Kama. Je ne voudrais pas que les gens le sachent. Allô? Qu'est-ce que... Qui est-il? Je ne sais pas. Attends, je dois rappeler cet homme. Je crois avoir son numéro. Allô, monsieur le directeur? Il y a un problème, ok? Ma femme, je crois que quelqu'un la retient captive là-bas dans l'une de vos chambres d'hôtel. Je dois faire une fouille complète de chacune de vos chambres avant d'alerter la police. Ouais. D'accord, je me mets en route tout de suite pour là-bas. À plus. Attends-moi. Oh mon Dieu. Qui est-ce? C'est le directeur. Bonsoir, monsieur. Comme vous le savez déjà, je suis le directeur de cet hôtel et je fais une fouille des chambres. Ok. Donc, vous voulez fouiller ma chambre? Oui. Et pourquoi? Écoutez, une femme aurait été kidnappée dans cet hôtel. Vraiment? Donc, on aimerait vraiment savoir si elle est dans votre chambre. Vous êtes nombre de combien là-dedans? Juste moi et ma petite amie. Ok, pouvez-vous ouvrir pour qu'on le confirme? Monsieur, je suis navré, mais ce ne sera pas possible. Je veux dire, vous ne pouvez pas débarquer et interrompre ce que je faisais. Je suis occupé. Ma copine, écoutez, papa... nous le faisons juste pour des raisons de sécurité. Ouvrez simplement la porte et on le vérifie. Je suis navré. Ce ne sera pas possible. Allez-y fouiller d'autres chambres. Je vous laisse. Hé, c'est quoi votre problème? Ne l'avez-vous pas entendu? Monsieur, ouvrez cette porte pour que je récupère ma femme. Ça ne va pas. Qui est cet homme? Qui diable êtes-vous pour me donner des ordres? Opérez, on vérifie ce qu'on veut vérifier. Écoutez, monsieur, fouillez les autres chambres. Il n'y a personne ici. Vous voulez que ça se fasse de force, c'est ça? Vous voulez que ça se fasse de force? Écoutez, laissez-le. On va régler cela à notre manière, monsieur. Inutile d'en arriver à la violence. Écoutez, j'apprécierais que vous ouvriez cette porte et qu'on vérifie après ce qu'on veut tout vérifier. Ça. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Allons en bas chercher la clé passe-partout. Allons-y. Alors, votre soi-disant copine qui était censée être dans la chambre?
En fait, je vous taquinais juste. Je n'étais avec personne. Et allons-y. Hey. Alors? Ah. T'as oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer? Eh bien, j'ai réalisé quoi. Je ne pouvais pas avoir une vidéo d'Annie dans cette chambre sans moi. Tu es con ! Es-tu stupide ? Es-tu un idiot ? En fait, tu es un babouin, c'est ce que tu es ! Comment tu... Oh putain, je suis une petite mission que je t'ai donnée. Tu n'as pas pu la réussir. Es-tu bête ? Hein ? Tu n'as pas pu empêcher une femme. Une femme avec qui tu es mariée depuis 16 ans de se marier avec Ken. Tu n'as pas pu. Vraiment? Ah! Incroyable. Ah! Ah! Oh mon Dieu. Pourquoi es-tu si en colère contre tout ça? Non, 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 non. Annie ne peut pas gagner. Annie, non, Annie ne peut pas gagner. Annie n'épousera pas Ken. Non, à sait jamais. Hey, mais calme-toi! C'est quoi ton problème? Bon sang, tu es si belle! Merci. Et enfin, t'es ma femme. Remercions Dieu pour la réussite de la cérémonie. Ah ouais, là, je suis d'accord avec toi. Merci à Dieu qui n'a pas permis que le plan de Steven et Sophie réussisse. Si seulement ils savaient comment j'ai pu sortir de cette chambre et gâcher leur plan. Pardon, juste une minute. Ah. Allô? Allô, monsieur. Je dispose d'informations importantes sur votre femme. J'estime que vous voulez savoir qui elle est vraiment. Retrouvez-moi à l'adresse suivante. Maintenant, écoutez. Je ne suis pas intéressé par une quelconque information que vous avez sur ma femme. Est-ce clair? Alors, jamais, je répète, jamais plus n'appeler à ce numéro. Bébé. Bébé. Oui, bébé. Écoute. Quel que soit ce qu'il y a eu dans le passé, avant nos vœux, reste dans le passé. On aura un merveilleux avenir, plein de bonheur. Oui. Je t'aime. Je t'aime aussi. On sera très heureux ensemble, ok? Bébé, viens là. Je t'aime, mon amour.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.